Bonjour et bienvenue à ce troisième webinaire de Raphaël. Nous sommes très ravis de votre participation aujourd'hui et de la participation de nos intervenantes et de nos intervenants. Il s'agit du troisième webinaire donc de Raphaël qui va traiter de la réadaptation post-Covid, des programmes d'adaptation en cas de fatigue et conseils et gestion du quotidien. Donc nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui Monsieur Francis Maguire, physiothérapeute de MyPhysio, Madame Noémie Troyon et Madame Amandine Durand, ergothérapeute au HUG, et Monsieur Xavier Martin, maître de sport, physiothérapeute pour les adolescents et les enfants au HUG. Sans prendre beaucoup de temps, nous ouvrons donc cette séance. Professeur Clara Possebaerbe nous rejoindra dans un deuxième temps et docteur Hassan Perrin aussi pour les questions-réponses qui feront l'objet de la deuxième partie de ce webinaire. Donc voilà, je donne la parole à Monsieur Francis Maguire. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis Francis Maguire, je suis le physiothérapeute responsable pour les patients Covid longs au sein de MyPhysio. Nous prenons en charge les patients en réhabilitation respiratoire Covid ou non, que ce soit à domicile ou dans le centre de Vesna et de Petit-Lancy. Et puis aujourd'hui, je voudrais présenter les mesures de physiothérapie adaptées pour les symptômes post-Covid. OK, donc voilà, très bien. Alors, les constatations cliniques. La plupart des patients qui ne sont pas hospitalisés ne sont pas déconditionnés. Et si on fait un test et reteste le jour d'après, un patient déconditionné va donner des résultats approximativement les mêmes, ce qui n'est pas le cas pour les patients post-COVID. Nos tests doivent être plus adaptés. Actuellement, les patients vont faire la moyenne d'un test de marche, mais c'est le jour après qu'ils payent le prix. Donc, il faut poser une question sur la fatigue du jour après pour adapter des tests qu'on a. Le symptôme d'un malaise à la suite d'un effort est très important. Il ne faut pas commencer des exercices ou des activités autant que possible qui provoquent une grande fatigue les jours subséquents. Il faut faire des exercices en fonction de si il faut faire des exercices. Il faut faire en fonction de la fatigue du jour d'après. Et les exercices qui sont longs sont mieux que les exercices qui sont explosifs. L'éducation thérapeutique dans les premières phases est plus importante que les exercices. C'est possible que la personne ou les patients fassent déjà trop. Et le travail dans cette phase est plutôt de ralentir les patients, ralentir et de trouver des solutions pour gérer leur quotidien. Et c'est important que ce fait soit accepté, mais ce qui est encore plus important, c'est d'effectuer des changements et des adaptations dans la vie quotidienne. Alors, de haut et de bas, la plupart des patients qui ont Covid long décrivent des vagues d'énergie. Une journée peut être très bien et la journée d'après, c'est terrible. Ça semble quelquefois au hasard. Chaque patient est différent, donc la raison qu'il y a de haut et de bas, peut-être ça dépend du patient. Okay. Et la fatigue est multifactorielle. Je note quatre facteurs potentiels, le sommeil, des activités physiques, cognitives et sociales. Il y a sûrement plus que ça qui est prudent, mais c'est important de savoir autant que possible les activités et leur intensité qui provoquent une fatigue importante. Alors, comment il faut faire? Notez avec beaucoup de détails les activités, leur intensité, leur ambiance et la durée. Notez des sensations et les émotions et la fatigue. Il faut regarder peut-être avec quelqu'un d'autre, il faut regarder s'il y a une causalité. Comment la personne se sent maintenant et qu'est-ce que la personne a fait le jour précédent? C'est probable que c'est un mélange de facteurs, que c'est un mélange de cognitif, sommeil, physique, etc. Alors, la vie au quotidien est complexe. Conduire une voiture est complexe. Il y a beaucoup de coordination, il y a des multitâches, des mouvements précis, mais même de planifier, préparer et manger sont des tâches complexes.
Le cerveau humain est normalement capable de gérer des tâches qui sont complexes. Et le cerveau est même capable, après des répétitions, de faire des tâches sur le mode pilote automatique. Ce pilote automatique est perturbé avec COVID long et des tâches qui étaient faciles sont actuellement épuisantes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le pacing ou adapter son rythme. La planification de sa journée est importante. Le cerveau aime bien la structure. Il faut prioriser des tâches qui sont le plus importantes, mais aussi il faut planifier des choses ludiques dans la journée. Le cerveau aime bien la répétition. S'il y a des répétitions, le cerveau est capable, est mieux capable d'automatiser une tâche. Et si c'est automatique, ça prend moins d'énergie de le faire et donc il y aura une conservation d'énergie. Le dernier mot, donc je vais juste parler sur un peu de conseil. Donc, même s'il y a un problème, même s'il n'y a pas un problème de souffle ou poumon, on peut travailler sur la respiration. Donc, il faut faire 3, 6, 5, donc 365, 3 fois par jour, faites 6 répétitions par minute pendant 5 minutes. Donc, ça va être 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. C'est pas naturel, mais si la personne se sent bien, il faut pas forcer, il faut pas faire plus, c'est pas le jour, c'est pas le moment de faire beaucoup de choses physiques ou de choses cognitives en plus. En fait, il faut faire chaque activité qui n'est pas nécessaire en fonction de la fatigue du jour d'après. Savoir où sont vos limites ou les limites et savoir que si je fais X, je vais être trop fatigué demain. Et même si la personne se sent capable, il faut faire des activités avec de pauses. Et je pense que ça aide aussi de faire ce genre de choses où vous parlez avec les autres, vous voyez des solutions avec les personnes qui sont rétablies du COVID long. Donc justement, qui m'a aidé énormément, c'est le deux ressources ici, c'est le Long COVID Physio, qui est un physiothérapeute britannique. Son site web est super, mais c'est tout en anglais. Et puis, moi, j'utilise le guidelines de NICE, qui est une organisation au Royaume-Uni. Et je suis en train de regarder aussi pour les autres ressources utiles. Je pense que je vais arrêter là. Je peux parler encore 2 heures de COVID long, mais je pense que c'est un bon moment d'arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. Donc voilà, comme nous voyons en fait que la physiothérapie peut être aidante et adaptée au cas post-Covid. Il s'agit notamment de faire attention aux besoins de récupération, au malaise post-effort et à privilégier le pacing tout en évitant un déconditionnement aussi qui pourrait avoir à terme un impact cardiovasculaire ou autre. Je profite avant de donner la parole à Noémie Troyon et à Amandine Durand de vous dire de poser vos questions via questions. Donc, les questions doivent nous apparaître via questions et non pas via le chat pour qu'on puisse en fait les voir et pouvoir y répondre aussi directement, que ce soit en tapant la réponse ou en l'adressant dans la deuxième partie de ce webinaire. Merci donc à Noémie Troyon, à Amandine Durand de votre participation. Merci aussi à Fabien Albert, donc le responsable d'ergothérapie des HUG. Je vous donne la parole. Merci. Merci Maïsan. Donc nous sommes ergothérapeutes, nous travaillons dans le service de neuroéducation et nous accompagnons les personnes dans le retour en emploi. Donc du coup aujourd'hui on va vous parler des points importants à considérer en cas d'arrêt de travail prolongé, donc qui peut aussi s'appliquer en cas de Covid long. Donc on va venir sur quelques notions d'assurance qui nous paraissent importantes, des partenaires clés à mobiliser dans le retour au travail. Et on va aussi parler du processus du retour au travail et puis vous donner quelques conseils pour favoriser un retour au travail optimal. Donc le premier point qu'on voulait soulever, c'était l'importance, enfin la question du financement et du salaire en fait, qui peut être couvert par une assurance perte de gain dans le cas où un contrat a été établi entre l'employeur et cette assurance. Cette assurance va couvrir le salaire jusqu'à 720 jours et c'est un paramètre qui est très important
au moment du retour en emploi. Amandine nous expliquera un petit peu plus plus tard le rôle de cette assurance. On voulait aussi revenir sur le fait que malheureusement, le droit suisse permet un licenciement en cas d'arrêt de maladie, autant qu'un délai de protection soit respecté. Mais un point important qu'on voulait soulever, c'était que l'assurance perte de gain va continuer à payer le salaire malgré le licenciement, pour autant qu'il y ait un certificat médical qui soit établi. Et donc ça m'amène à un deuxième partenaire très important dans le retour en emploi, qui est le médecin. Donc le médecin qui va établir ce certificat médical, mais qui va aussi, en plus des soins qu'il va prodiguer à la personne, avoir un rôle vraiment central dans la communication avec les assurances, parce que c'est lui qui va donner les informations par rapport à l'état de santé et permettre aux assurances de faire leur travail le plus juste possible par rapport à la situation de santé de la personne. Et une des assurances très importantes, qui est un troisième partenaire qu'on voulait mettre en avant, c'était l'assurance invalidité, avec qui on collabore beaucoup. Et sûrement plein de gens le savent déjà, mais on peut déposer une demande de rentrée adaptation auprès de l'assurance invalidité des 30 jours d'arrêt de travail. Et nous, on encourage vraiment les gens à le faire quand il y a potentiellement un arrêt de travail qui va être prolongé, parce que l'assurance pourra accompagner les personnes qui ont un Covid long ou autre dans le retour au travail. Ils ont beaucoup de moyens pour faciliter ce retour au travail. Donc, il y a vraiment ce qui est très important, c'est la collaboration avec le réseau dont le patient fait évidemment partie, dont la personne fait évidemment partie, mais aussi avec l'employeur. Nous, on a un gros rôle, un énorme rôle de coordination entre les différents intervenants. Donc, avec le patient qui est l'essentiel, l'employeur à travers un responsable, à travers des ressources humaines, à travers aussi un service de santé, s'il y a un service de santé dans l'entreprise. L'assureur financeur, comme on a déjà parlé de l'assurance perte de gain, l'assurance invalidité qui peut aussi financer. Évidemment aussi l'équipe pluridisciplinaire, que ce soit qu'on puisse échanger, que ce soit avec des physiothérapeutes, les neuropsychologues, les psychologues, enfin, les médecins évidemment, tous les intervenants dans la réadaptation de santé et aussi au travail. Et puis, c'est surtout ça. Avec cette collaboration, on est évidemment soumis au secret professionnel, au secret médical. Donc, malgré tous ces échanges, il n'y a pas de transfert d'informations médicales à l'employeur. Et ça, c'est pour rassurer aussi, c'est qu'il y a une communication qui est très importante, qui est essentielle dans le retour au travail, mais elle respecte vraiment le secret médical. Et les personnes n'ont pas l'obligation d'expliquer leur situation de santé à l'employeur. Ça, souvent, les gens ont besoin de se justifier de leur absence. Et en fait, il n'y a pas cette obligation-là, au contraire. Et nous, ce qu'on privilégie vraiment dans le retour au travail, c'est ce qu'on appelle une reprise thérapeutique. Ça veut dire qu'il est possible de négocier une reprise de travail à titre thérapeutique avec l'assurance perte de gain, ce qui est un concept avec le principe du gagnant-gagnant, où l'idée est qu'il n'y ait pas de pression ni de notion de rentabilité pour le patient, ce qui permet aussi une reprise progressive de l'activité. Et dans ce cadre-là, c'est l'assurance perte de gain qui continue de payer le salaire et espère que la personne puisse réintégrer son poste le plus rapidement possible, en fait. Donc, ça soit gagnant sur tous les plans pour la personne. Et évidemment, du coup, il n'y a pas de manque à gagner pour l'employeur. Donc, ça, c'est vraiment les points essentiels autour d'un arrêt de travail prolongé. Et puis, on voulait aussi donner quelques petits conseils qui vont rejoindre certains que Francis a mentionnés juste avant. Dans le retour au travail, ce qui est important aussi, c'est de maintenir un rythme régulier. Ça va aider aussi dans la gestion de la fatigue, donc d'avoir un rythme de travail qui est régulier, mais aussi un rythme de vie globale qui est régulier. La routine, on sait que c'est quelque chose qui aide, comme une bonne hygiène de vie, donc que ce soit une bonne gestion du sommeil, une bonne alimentation, une bonne hydratation, une activité physique adaptée, voilà, comme Francis l'a mentionné avant. Ça, on sait que c'est des facteurs qui facilitent aussi la bonne qualité de vie, mais aussi le bon retour en emploi. Et puis, plus globalement, un bon équilibre de vie entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, aussi détecter quelles sont les activités ressources qui peuvent redonner de l'énergie, redonner une morale, redonner de l'envie. Donc, après, c'est chacun est différent, mais il faut trouver ses activités ressources et essayer de trouver le meilleur équilibre possible pour chacun. Donc, un
Des autres conseils, ça va être dans la mesure du possible de favoriser la reprise thérapeutique pour le retour au travail, comme on l'a expliqué déjà avant. De définir aussi avec les partenaires du retour au travail quel va être le minimum exigé pour le retour en emploi, c'est-à-dire en termes de capacité cognitive, mais aussi en termes de capacité physique. Qu'est-ce qu'exige au minimum le responsable ou l'employeur? Et puis, nous, c'est vraiment l'essentiel de notre travail aussi pour pouvoir se projeter en emploi, c'est de passer par l'expérience pour trouver les solutions les plus adéquates à chacun, c'est-à-dire de pouvoir expérimenter, se réentraîner, afin de pouvoir saisir quel est le besoin de repos après l'activité, après 2 heures, 3 heures, 4 heures d'activité, et puis aussi ce qui va permettre de déterminer le rythme auquel on va pouvoir envisager une reprise de travail. Donc voilà, là c'est un peu nos conseils très synthétisés autour de la reprise du travail et un arrêt de maladie prolongé, notamment aussi dans l'accompagnement des personnes ayant un Covid long. Et voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Noémie et Amandine. C'est vraiment très riche et intéressant comme conseil aussi et puis prise en charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous revenons un peu sur les principes de base, donc mesures d'hygiène de vie, mesures d'adaptation finalement du quotidien, être sûr que la nutrition, le sommeil, les activités de la vie quotidienne sont adaptées. Et nous apprécions beaucoup aussi votre phrase qu'il faut passer par l'expérience pour adapter en fait finalement la prise en charge, ce qui veut dire que il s'agit pas d'une prise en charge unique pour tout le monde et ça va être vraiment presque une médecine de précision où on va adapter le programme, la prise en charge sur selon les capacités fonctionnelles de chacune et de chacun. Donc merci beaucoup aussi pour ce message. Sans transition, je passe la parole à Monsieur Xavier Martin, maître de sport au HUG dans le service de pédiatrie générale. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir aussi ce soir. Donc pour ma part, je suis donc prof de sport adapté, hein, j'ai rien à voir avec le DIP, je suis vraiment issu d'une formation pour intervenir dans les établissements comme les HUG ou autres centres de santé. Plus spécifiquement, je suis attaché à la pédiatrie, donc je ne vois que des jeunes et dans le cadre de la consultation Covid long, que des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans, on va dire. Pour ceux qui me sont envoyés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres tranches d'âge touchées ou affectées, mais pour ceux qui me sont adressés par la doctoresse en charge de la consultation Covid-long en pédiatrie, je m'adresse essentiellement à ces jeunes, à cette tranche d'âge-là. Alors, moi, je remarque qu'elles ont aussi un point commun, c'est qu'elles étaient, pour la plupart de celles que je vois, c'est essentiellement des demoiselles. J'ai très peu, voire pas encore eu, ça remonte à pas mal de temps, de garçons et des demoiselles qui étaient actives aussi avant. Alors ça amène moi dans ma prise en charge une nécessité qui a déjà été citée par Francis, c'est-à-dire vraiment de freiner. On a des sportifs, pour moi c'est, j'ai des sportifs, ex-sportifs ou actives, hein, des personnes qui ont l'habitude de bouger, qui veulent bouger. Donc pour moi ça c'est un avantage, j'ai parfois des jeunes qui ne veulent pas bouger, ça par contre c'est un grand levier déjà d'avoir des personnes motivées qui ont envie de faire. Le pendant, c'est effectivement ce que disait Francis tout à l'heure, c'est qu'il faut freiner. C'est souvent une tranche de population et puis je pense que par rapport aux difficultés rencontrées même par des adultes, on a envie que tout redevienne comme avant très rapidement et je pense que c'est une partie très importante dans la prise en charge. De partir de ce que les personnes sont capables de faire sur le moment. Donc, mon point de départ à moi, c'est déjà la première séance, elle va paraître à la personne, j'espère, le plus ridicule possible. Je l'ai fait travailler, alors, dans ce que j'ai à disposition. On a une salle de fitness, donc vraiment avec des machines de fitness. J'utilise celle de Beau Séjour chez les adultes.
L'intérêt d'utiliser une salle de fitness, c'est que je peux doser beaucoup plus précisément l'exercice demandé ou voir plus précisément ce que me réalise le patient. On est dans des intensités qui sont parfois très faibles, des fois parce qu'ils apprennent le geste, parce qu'ils appréhendent. Ils appréhendent ce qu'ils vont vivre aussi en termes d'intensité, en termes de ce qu'ils vont vivre après la séance est aussi important. Donc ça passe par beaucoup de communication avec les jeunes. Bah, dès la deuxième séance, effectivement, c'est un retour de la première séance s'est passée comment? Est-ce que tu as dû accuser le coup? Et puis ça s'est traduit comment? Est-ce que c'est des douleurs musculaires qui te semblent supportables ou cohérentes avec ce que tu as déjà vécu avant? Si c'est des courbatures et qu'il n'y a rien d'autre, bah, je suis content, ça veut dire qu'on a déjà démarré sur une bonne voie et que ça a été pas mal supporté. Par contre, après, et dès le départ, je note aussi, ou je fais noter aux jeunes, parce que je peux les avoir en groupe ou individuellement, hein, tous ne sont pas disponibles au même moment. Je note effectivement tout ce qu'ils font sur chaque machine, le poids, les répétitions, le nombre de machines, des fois les repos. Il faut que je vienne souvent taper sur l'épaule des uns des autres, leur dire tu dois te reposer, c'est pas parce qu'il y a deux machines que tu les enchaînes, c'est pas parce que tu as trois séries à faire que tu dois m'enchaîner les trois séries sans te reposer. Donc ça, il y a vraiment un travail de frein à faire parce que là, le premier des réflexes, et moi c'est pareil après un moment d'arrêt, hein, le premier des réflexes c'est de vouloir refaire comme on avait quitté l'activité, comme on se sentait avant. Et ça, je pense que c'est une erreur contre-productive bah, parce que quand les symptômes explosent derrière, bah, on retarde encore deux semaines, trois semaines la reprise de l'activité. Et c'est pire que de se freiner. Donc ça, ils le comprennent vite. En leur expliquant comme ça, ils le comprennent vite. Et autre piège qu'il y a, je pense à une jeune en particulier, mais c'est récurrent, ils peuvent me dire au bout même d'une dizaine de séances, mais je galère toujours autant dans ce que je fais, j'ai toujours autant de peine, je ressens toujours autant de fatigue, ou à peine moins. Et là, bah justement, le fait de noter que par rapport à une première séance qui avait été supportée, on arrive à la dixième, et à la dixième, on se rend compte. On regarde ce qu'ils faisaient, qu'ils ont triplé la charge de travail. Bah, s'il n'y a pas plus de peine à le faire, il y a déjà quand même un progrès. Après, on peut réajuster en discutant, mais bien souvent, moi, de séance en séance, tant que ça va, tant que les symptômes sont encore bien supportés, s'ils sont encore là, parce que des fois, ils diminuent quand même. Eh ben moi, je leur demande d'augmenter un petit peu les charges. C'est toujours par discussion avec eux. Je leur dis pas, c'est ça que tu dois faire en leur donnant une fiche. Même si je prépare une fiche pour me faciliter la vie, puis qu'ils aient un peu d'autonomie dans la séance, que je sois pas derrière chacun forcément tout le temps, ou enfin qu'ils puissent avancer. Je leur dis ce que j'ai noté, c'est une ligne directrice. Je passe rapidement vers chacun pour savoir comment a été leur journée et dans quel état ils arrivent vers moi, s'il y a déjà beaucoup de fatigue ou si c'est une journée qui va bien ou s'il y a vraiment quelque chose de marqué, pour réajuster. Et des fois, je réajuste complètement ce que j'avais prévu pour que ce soit un petit peu plus adapté. Et certains me disent, là, je me sens pas du tout d'aller sur une machine soulever des poids. En continu, je suis un petit peu plus sûr, mais j'ai peur de m'endormir sur une machine, etc. Et on imagine d'autres choses. J'essaie de les faire travailler autrement ou je leur donne plus de récup. On essaie quand même de terminer la séance, même s'il y a plus de récupération, pour qu'il y ait un petit travail et un sentiment de satisfaction quand même à la fin et d'avoir réalisé quelque chose. Voilà, effectivement, il y a des patients chez qui il y a des rechutes. Je ne pourrais pas les expliquer, ça c'est au niveau médical, ils expliqueront peut-être un petit peu plus, mais je crois que ça en tâtonne encore beaucoup. Et puis il y a des patients qui progressent malgré tout, et malgré tout, j'ai pas mal d'exemples de jeunes qui viennent en me disant aujourd'hui j'ai mal à la tête, je suis très fatigué, et ça se lit sur leur visage quand elles arrivent. Et la période d'échauffement est très importante. 10 minutes minimum, c'est ce que je leur demande de faire, ça leur paraît souvent une montagne. Il y a le cap de 5 minutes qui est difficile à franchir, et en général, à 5 minutes, ils commencent à être un petit peu dans
dans le mouvement, même si c'est à 10 watts sur une machine, il commence à être un petit peu dans le mouvement et puis à se sentir, au bout de 5 minutes, il commence à se sentir capable de faire les 5 suivantes. Et pour certaines qui pourtant ont des symptômes qui sont assez forts, au bout de 10 minutes, je les vois plus en forme que quand elles sont arrivées avant. Quand elles sont arrivées initialement. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pour certaines, c'est vraiment flagrant. Et je pense que ce moment de chauffe, au rythme de chacun et de ce qu'ils se sentent de réaliser, est aussi important. Et donc, le plus grand piège, c'est de dépasser ce qu'on est capable de faire. Et il n'y a pas de honte. Il faut faire à son niveau. Il ne faut pas s'occuper de ce que le voisin est en train de faire sur la machine et guetter un petit peu l'écran de l'autre pour voir si nous, on peut faire pareil et se comparer constamment. Ce n'est pas le but. Ils se soutiennent un petit peu entre eux. Bon, j'ai remarqué que un petit peu fatigués, ils échangent quand même moins que si on fait un sport collectif. Mais je ne peux pas faire un sport collectif avec eux. On a fait quelques essais, mais là, on maîtrise beaucoup moins d'intensité. Toutes ne sont pas au même niveau et donc l'implication de chacune. Je pense que c'est moins... Ça peut faire du bien des fois au moral. C'est pour ça qu'on a essayé quelques jeux quand chacune allait bien ou pendant le groupe. Je me rends compte que les personnes qui sont présentes le soir, qui peuvent être là, sont plus en forme. Dans ce cas, éventuellement, on passe sur un jeu où on contrôle un petit peu moins l'intensité, sauf par des pauses plus régulières. Mais sinon, on reste le plus possible, même si on est en groupe, dans la salle, une salle de fitness où on peut individualiser, où je peux individualiser la prise en charge. Et dans cette démarche-là, je suis assez content de comme les jeunes sont preneurs, anticipent et sont acteurs aussi dans la séance. Ils viennent toujours avec la question « qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Qu'est-ce que je vais faire ?» Je leur propose un peu leur fiche d'activité individualisée en fonction de ce qu'ils me disent, comme ils se sentent. Sinon je revisite. Et puis après, une fois qu'ils sont lancés dans la séance, eux-mêmes me font des propositions sur soit ce qu'ils verraient bien, soit rouler sur la séance telle qu'elle est prévue ou changer la partie du corps qu'ils ont envie de travailler. Ou des fois, je les incite à travailler un petit peu d'autres parties de corps, pas forcément tout ciblé sur les jambes, travailler un petit peu le haut du corps, ça peut faciliter aussi des fois, permettre de reposer les jambes dans la séance et puis y revenir un petit peu plus tard. En utilisant comme ça, ils sont quand même encore un petit peu actifs sur le haut du corps, le bas se repose et puis ils y reviennent un petit peu après. Là, le déroulement un petit peu qui se passe dans mes séances, le suivi des jeunes, moi je suis content quand ils me disent que maintenant ils ont l'impression qu'ils ont suffisamment repris, qu'ils peuvent reprendre l'école ou qu'ils ont repris l'école à temps plein et que maintenant ils peuvent s'y investir plus, même reprendre le sport à l'école. Voilà, quand ils me disent qu'ils n'ont plus besoin de moi ou qu'ils vont pouvoir rejoindre le club qu'ils avaient quitté, etc. Voilà, ça c'est top. Le but, c'est que je sois que passager, moi, dans la prise en charge, de toute façon. Merci beaucoup, Xavier. Donc, merci, et c'est très riche encore. Et puis, patiente, être acteur ou actrice dans la séance, c'est très important. Nous allons passer donc aux questions-réponses. Donc, merci de poser vos questions dans les questions et pas dans le chat. Le chat ne doit pas être utilisé, on ne peut pas le voir. On ne peut pas répondre à vos questions si vous le mettez dans le chat. Donc, vraiment, utilisez le bouton « questions ». Donc, des questions qui sont déjà apparues. Je m'adresse d'abord donc peut-être à Francis. Quels exercices physiques conseiller aux personnes? Est-ce qu'on fait plutôt des exercices de fitness ou est-ce qu'il s'agira plus d'exercices de renforcement de tonus musculaire? Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils là-dessus? Oui. En fait, il faut voir avec la phase de COVID. Si vous avez une COVID longue et puis vous êtes une phase où vraiment le quotidien est vraiment difficile à gérer, il faut à ce moment, il ne faut pas vraiment faire des exercices. Il faut premièrement gérer le quotidien, faire le pacing, OK? Si on passe de les autres phases qui sont moins intenses de fatigue, il faut faire des exercices très lentement.
Et il faut faire des exercices qui sont longs, donc il faut éviter des exercices qui sont justement explosifs. S'il faut faire, moi je pense, s'il y a un essoufflement quand quelqu'un monte l'escalier, c'est toujours une bonne idée de faire le renforcement de jambes, c'est toujours une bonne idée de faire un peu de cardio. Mais si on fait le renforcement, il faut qu'il y ait plus de pauses que régulièrement. Donc on a un programme ici où, par exemple, au lieu de faire 10 répétitions de suite, il y a 5 et puis il y a une pause. Et puis après, il y a 5 encore. Donc, on fait beaucoup plus de pauses dans le renforcement. Et puis, on fait un tapis. Et puis, pendant le tapis, donc quand le patient marche, on va créer une distance. Donc, je vais dire, OK, on peut marcher 600 mètres aujourd'hui. Alors, c'est à vous à décider à quelle vitesse, en fonction de votre fatigue. J'essaie que le patient soit autonome, parce que si le patient arrive pour faire quelque chose qu'il peut faire chez eux, pourquoi venir ici? Je pense qu'il vaut mieux que le patient est autonome. Donc, je dis, OK, on va faire 600 mètres aujourd'hui, qui correspond à X pattes, X pas. Et donc, fait à votre rythme, faites avec de pauses. Et puis, au fur et à mesure, on peut augmenter la vitesse, on peut augmenter. Je pense qu'il faut faire avec, il faut penser le jour après. Et puis, moi, je n'augmente pas d'intensité ni le durée d'un exercice s'il y avait une rechute dans 7 jours. Et puis, comment j'ai décidé 7 jours, c'est un peu arbitraire. Mais je trouve que si c'est 7 jours, au moins c'est objectif. Et puis, on peut passer de la prochaine étape. Donc, on peut faire différents types d'exercices. Ça dépend de la phase et ça dépend le type de symptômes que vous avez. Merci beaucoup Francis et merci pour ces exemples aussi pratico-pratiques qui nous aident beaucoup à mieux visualiser, à comprendre finalement l'adaptation et puis la réadaptation post-Covid. Il faut aussi noter que vous avez des monitorings cardiaques et autres qui vous aident aussi à savoir si l'intensité de l'activité est trop forte pour la personne ou pas. Et puis ça, il faut aussi pouvoir l'utiliser dans les séances de physio. Et je trouve que votre accent sur la récupération, les rechutes après l'exercice est très importante parce que vraiment, on parle ici de malaise post-effort, d'activité ou de malaise même après une activité qui peut nous sembler très légère, mais qui finalement peut être délétère à la personne. Donc, merci beaucoup et merci pour ces exemples concrets. Je profite aussi pour dire bonjour à Anne Perrin, chef de clinique en pédiatrie, qui coordonne la consultation pédiatrique du post-Covid. Bonjour Anne. Une des questions pour toi, en fait, est donc de Madame Maria Caz, qui demande son fils qui a 10 ans, qui a le Covid long, a de très fortes douleurs musculaires. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller ou faire dans ces cas? Bonjour à tous. Donc, en cas de douleurs musculaires, c'est souvent des douleurs qui sont difficiles à gérer avec les antalgiques habituels, avec le paracétamol, avec l'ibuprofène. J'imagine que ça a déjà été essayé. Il y a des patients chez qui de faire un peu des massages, de stimuler, ça aide. D'autres, c'est pire. Donc, ça, il faut un petit peu évaluer chez lui ce que ça fait. Et puis, on propose des fois, si c'est des douleurs qui ne sont pas trop diffuses, mais un petit peu qui sont localisées dans un endroit un peu plus précis, d'utiliser le TENS, en fait. C'est un électrostimulateur qui peut permettre d'améliorer les douleurs alors musculaires ou neuropathiques. Voilà, ces électrodes qu'on pose sur la peau, les physios, ils connaissent aussi bien ça. Mais ça peut se trouver, en fait, en pharmacie assez facilement. Et puis, il faut juste que quelqu'un explique bien comment ça fonctionne. Il y a des programmes, on colle sur la peau et puis en fait, ça stimule, ça fait des micro-contractions. Et puis, ça permet de comme annuler le signal de la douleur. Donc, moi, j'ai plusieurs patients chez qui ça a assez bien fonctionné. Donc, c'est une des choses qu'on peut essayer. Et puis, je dirais encore, sinon, essayer le chaud ou le froid. Ça aussi, ça dépend des patients. Il y en a qui préfèrent l'un ou l'autre. C'est aussi quelque chose qui peut fonctionner assez bien.
Merci beaucoup, Anne. Ceci répond aussi à la même question chez les adultes. Donc, Dominique le Grec avait posé comment calmer ses douleurs constantes. Donc, c'est un peu les mêmes conseils qu'on donnerait aussi aux adultes. Cela aussi devrait être discuté avec votre médecin traitant pour voir s'il y a des investigations à faire. Des fois, s'il s'agit de douleurs qu'on appelle type neuropathique, on peut faire des examens pour voir si ces douleurs sont une atteinte du système nerveux ou pas, parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent cibler le système nerveux finalement. Dans ce sens-là, et puis avant de passer aux questions qui s'adressent aux ergothérapeutes, je voulais juste encore peut-être parler de ces douleurs-là. Donc, comme l'a dit doctoresse Perrin, ces douleurs, des fois, sont assez fortes et difficiles à gérer avec des anti-inflammatoires. Et ce qu'on voit, c'est deux types peut-être de catégories de douleurs, des douleurs inflammatoires et des douleurs neuropathiques. Et donc là, plusieurs de vous ont posé des questions sur ce qui serait des douleurs inflammatoires comme la périarthrite. Est-ce qu'on peut avoir des périarthrites dans les hanches, dans les régions lombaires post-Covid et comment pouvoir y pallier? Et puis, des douleurs dans les tendons. Donc, je laisserai aussi doctoresse Perrin répondre à cette question-là de finalement, est-ce qu'il y a une pathophysiologie ou un mécanisme inflammatoire qui explique aussi ces douleurs? Alors, à ma connaissance, pas, en tout cas en pédiatrie, on ne connaît pas le mécanisme en fait qui fait les douleurs. Chez les patients pédiatriques qu'on a eus, qui avaient des douleurs articulaires notamment, c'était jamais en fait associé à des signes inflammatoires, donc il n'y avait pas vraiment d'arthrite clinique visible, c'était vraiment juste des douleurs sans qu'on puisse comprendre vraiment d'où elles venaient. Donc voilà, mais pour l'instant, effectivement, moi, je n'ai pas plus de données. Je ne sais pas si du côté adulte, vous en savez un petit peu plus. Oui, c'est vrai que pour les adultes, on a peut-être aussi plus de recul et malheureusement plus de cas, vu que la prévalence du post-Covid chez les adultes est plus élevée que chez les enfants. Donc, nous voyons effectivement des périarthrites ou des tendinites post-Covid. Cela n'est pas nouveau dans la médecine. Donc, on a des arthrites post-virales que nous connaissons depuis avant le Covid. Aussi, des tendinites post-virales qui existent depuis avant le Covid. Donc, on peut avoir des mécanismes d'inflammation post-virale. Ces inflammations peuvent aussi durer, même donc sans objectivation de test inflammatoire, mais sur une échographie de l'articulation qui fait mal ou du tendon qui fait mal, on peut voir des signes d'inflammation. À la consultation post-Covid au HUG, ceci est pris en charge par le médecin généraliste, mais aussi par les rhumatologues si la douleur devient trop importante à gérer, avec des thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses, comme l'a mentionné docteur Perrin. Donc, pour Sandrine de Milder qui pose la question sur l'acupuncture, nous avons l'expérience favorable et défavorable de l'acupuncture pour les douleurs. Donc, nous encourageons les gens en fait, à voir les risques et bénéfices de chaque thérapie qu'ils souhaitent essayer et puis d'en parler avec leur médecin traitant. L'acupuncture en soi peut améliorer certains symptômes. Chez certaines personnes où on a une hypersensibilité à la douleur finalement, donc les aiguilles vont faire plus mal que améliorer les symptômes. Mais cela va dépendre de personne d'une personne à l'autre. Voilà pour les douleurs, donc peut-être retenir qu'il y a des douleurs inflammatoires, des douleurs neuropathiques, que chaque type de douleur peut être traité de manière différente, qu'il est difficile des fois d'objectiver ces douleurs via des tests et de les traiter avec les traitements qu'on connaît déjà, mais qu'on aurait d'autres solutions médicamenteuses et non médicamenteuses. Avant de passer aux prochaines questions, bienvenue professeure Clara Posfey-Barbe qui a pu nous rejoindre. Merci beaucoup. Voilà, et merci d'avoir répondu à la première question dans le chat aussi.
Pour ce qui est de l'ergothérapie, donc nous avons deux questions très importantes. Vous parlez ou vous mentionnez en fait du fait qu'il faut prendre soin du sommeil ou d'avoir une bonne qualité de sommeil pour pouvoir fonctionner durant la journée. Mais quels conseils donner, comment gérer ce sommeil? Ça, c'était la première question. Bah après, là, ça va être surtout de pouvoir identifier la... Nous, ce sur quoi on travaille en collaboration avec les neuropsychologues, c'est surtout de savoir, de pouvoir identifier la quantité de sommeil nécessaire, en fait, sur la journée, c'est-à-dire la nuit et la journée, et puis d'identifier vraiment les moments pour se coucher tôt, enfin, tous les conseils, éviter les écrans avant de se coucher, éviter les stimulations importantes avant de se coucher aussi, pour qu'on puisse sereinement en fait se reposer. Après, c'est dépendant de chacun et des habitudes de vie de chacun aussi, ça c'est très important. On n'a pas de solution miracle pour, en tout cas, sans l'intervention de médicale non plus. Et c'est surtout pouvoir maintenir un rythme, identifier ses phases de sommeil, en fait, se connaître avec le sommeil pour aussi jongler avec ça, parce que c'est peut-être pas satisfaisant comme réponse, on comprend bien, mais en fait, c'est vraiment, il faut pouvoir se connaître suffisamment pour savoir quels sont ses besoins, et puis pour l'endormir, parce que souvent, l'endormissement peut être aussi plus problématique, ou les réveils, et ben de pouvoir savoir qu'est-ce qui fonctionne pour se rendormir. On a plusieurs collègues qui travaillent sur la relaxation, sur l'auto-hypnose, pour pouvoir se réendormir, pour pouvoir s'endormir, et puis éviter de passer les cycles de sommeil qui nous permettent l'endormissement, les surstimulations avant, d'aller faire une activité physique, d'aller stimuler les écrans, hein, tout ça. Et puis effectivement, voilà, c'est l'expérimentation, en fait, déterminer combien d'heures de sommeil chaque personne a besoin. Il y en a qui auront besoin de 6 heures, d'autres 8, d'autres 9. Et puis ben voilà, quand on a trouvé ce qui nous correspond, faire en sorte de le respecter et de le mettre en application le plus régulièrement possible pour avoir un effet sur le long terme. C'est aussi ce qu'on a dit dans notre présentation, c'est l'aspect routine, régularité qui va aussi favoriser et aider. Tout à fait, et merci beaucoup. Et vraiment, l'accent sur cet aspect de routine et de régularité, d'essayer de trouver son rythme finalement, et de ne pas pousser à retrouver le rythme pré-Covid trop rapidement. Une autre question aussi s'adresse à vous. Donc, depuis la reprise du travail, j'ai une fatigue. Donc, la personne dit qu'elle a une fatigue qui l'écroule complètement et elle n'arrive pas finalement à faire une journée de travail. Comment éviter de dormir au travail? Comment éviter que cette fatigue épuise tellement la personne durant la journée? Alors, bon, sans connaître la situation précise de la personne, mais une hypothèse, c'est peut-être que le taux de travail est trop important en fait actuellement par rapport à l'énergie à disposition. Donc c'est possible que cette personne travaille trop avec des tâches, trop, et puis qu'elle ait plus pas assez d'énergie pour répondre à cette sollicitation. Donc ce serait voir, ça dépend du pourcentage à quel elle est, c'est un peu difficile de répondre, mais voir si c'est possible de baisser un petit peu. Parce que voilà, quand on va au-delà des limites, effectivement cette fatigue, elle va augmenter. Encore plus, et puis on a vu dans l'expérience qu'on a avec les patients Covid que quand on utilise trop d'énergie, après c'est difficile de la récupérer, donc c'est pas non. Enfin, voilà, c'est éviter un épuisement. Donc ça serait une hypothèse qu'on aurait, mais voilà, sans connaître plus la situation, c'est un peu difficile de répondre. Et puis après, c'est vrai que l'autre chose, c'est ça dépend le contenu de cette journée, parce que peut-être la personne elle a repris une journée et puis en fait, sa journée, il y a un rendement exigé qui est très, très élevé. On lui demande beaucoup d'activités dans cette journée, ce qui fait que n'importe qui serait aussi épuisé. Mais là, il y a le souci de santé qui se rajoute. Et peut-être, c'est de bien définir. C'est pour ça qu'il y a toute une préparation avant le retour au travail, pour savoir vraiment, dans la mesure où tous les participants sont aussi d'accord, mais de préparer avec l'employeur, de préparer avec les assureurs qui peuvent soutenir l'employeur à exiger un petit peu moins, mais aussi définir si je viens travailler 4 heures, quelle tâche je fais, parce qu'on ne peut pas exiger de moi que je fasse la même chose en 4 heures qu'en 8 heures. Et des fois, on exige la même chose, mais sans s'en rendre compte.
Et donc ça, c'est vraiment très, très important. Et puis de pouvoir peut-être, enfin, souvent, les gens se disent, bon, bah, puisque j'y suis, j'y reste toute la journée. Et des fois, de pouvoir répartir sur la semaine comme un entraînement sportif, de pouvoir reprendre progressivement sur des petites phases de travail dans la mesure où c'est possible. Merci beaucoup. Et c'est justement ça. Donc l'idée, c'était finalement de prendre la question de manière générale et puis de dire qu'il faut de rappeler aux gens qu'on doit essayer de déterminer et d'évaluer chaque tâche qu'on est en train de faire dans la journée. Et puis une tâche peut être plus épuisante qu'on le pensait. Et d'où le travail énorme de préparation que vous faites aussi avec les patients et les patientes, les employeurs et les assurances s'ils sont aussi partie prenante. Cette question s'applique aussi à l'activité physique. Donc je m'adresse à Xavier. Si vous arrivez à répondre pour nous, donc comment savoir s'il faut se reposer plus ou augmenter son niveau d'activité quotidienne ou sportive? Donc quand on est fatigué, est-ce qu'on se dit OK, voilà, on y va et puis on va faire un peu plus ou est-ce que on doit plutôt privilégier un repos dans ces cas-là? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dirais que, alors, j'en ai rediscuté avec une jeune hier soir qui m'a avoué, qui me disait qu'elle avait eu du mal à se motiver à venir, et pourtant, elle a fait une séance qui était quand même chouette. Et pour moi, le virage et la question se pose de l'intensité de la séance qu'on va faire derrière, est-ce que je vais lui proposer après ces 10 minutes de chauffe? Je ne peux pas dire à un jeune qui arrive et qui me dit qu'il est fatigué, et en fait, il n'y a pas forcément de lien avec ce qu'il va réussir à me faire pendant la séance. Clairement, je sais un petit peu plus ce qui va pouvoir se faire pendant la séance une fois que la personne est passée par 10 minutes sur une machine, même si elle fait 10 watts dessus. Voilà, elle arrive avec un état, tout un bagage émotionnel, etc. Mais 10 minutes après, des fois, c'est comme une fleur qui s'ouvre, quoi. Et elle repart avec une fatigue qui est plus physique que la fatigue qu'elle avait amenée initialement. Ce qui, pour elle, est plus acceptable et c'est ce qu'elle vient chercher chez moi. Pour les autres jeunes, c'est pareil. Les 10 minutes, pour moi, sont primordiales de chauffe, sans se mettre. Enfin, ils doivent se sentir dispos à la fin, à avoir réussi à être en mouvement. Donc, s'ils se sentent faibles, qu'ils ne sont pas bien, ben on choisit une machine. Le rameur peut aller. Ça peut être une machine très difficile, mais en allant tout doucement dessus, on peut faire 5 watts, 10 watts en sécurité, sans se faire mal, sans risque, peu de risque de chute, en tout cas, chez mes patients. Il y en a même cette jeune qui me disait qu'elle était très fatiguée. Elle a fait ses 10 minutes de chauffe. Je lui ai demandé de les faire les yeux fermés. Je suis assez accroché à ça. J'aime beaucoup. Je le fais avec d'autres jeunes dans d'autres circonstances pour d'autres raisons. Mais je lui ai dit, tu as les yeux qui peuvent paraître ouverts, ferme-les. Tu rames, tu es dans l'axe. Il n'y a rien qui va t'arriver d'imprévu. T'es juste à l'écoute de ce que tu ressens pour pas faire trop dur, juste légèrement essoufflé, les maux de tête qui sont pas exacerbés, c'est juste de la chauffe. Et puis on voit à la fin des 10 minutes ce que ça donne. Mais vraiment, quelqu'un qui me dit juste par téléphone, ou même quand ils arrivent devant moi, elle est arrivée, si je m'écoutais, je lui ferais rien faire parce que j'ai l'impression des fois de les forcer, enfin pas de les forcer parce qu'ils sont quand même volontaires à faire, mais. De forcer un petit peu la machine, mais vraiment ces 10 minutes sont importants et j'ai pas tellement de scrupules parce que vraiment c'est une intensité très faible que je leur demande. Souvent ils dépassent ce que je demande sans forcément plus de conséquences, mais c'est vraiment à la fin de cette chauffe-là que j'en sais plus. Chaque personne réagit différemment et puis pour répondre peut-être à quelques autres questions que j'ai vues passer, j'ai pas d'exercice type, il n'y a pas d'exercice où je me dis ça c'est un exercice qui est que pour les jeunes Covid. La seule adaptation qu'il y a dans les exercices, les machines sont les mêmes qu'en fitness, on a un rameur, on a des machines avec des poids, etc.
la seule chose, c'est de doser et puis de les faire accepter qu'il y a un point de démarrage. Les feuilles où je note ce qu'ils font pendant la séance, alors soit je note moi, soit c'est eux qui le font, et puis comme ça, ils peuvent comparer de semaine en semaine aussi ce qu'ils font. Je laisse en tout cas au moins les trois dernières semaines, et puis eux peuvent noter la suite et ils peuvent voir comment ils ont évolué. Et on part de ça. C'est vrai que ça peut être très fluctuant, des fois après des vacances ou après une période où ils se sont sentis moins bien ou pas venus quelques semaines pour d'autres raisons parce qu'il y a l'école aussi à côté. On reprend, on voit comment on reprend, on tâte un peu le terrain, à nouveau avec la chauve, comment ils réagissent. La jeune que j'ai eue ce soir, juste avant de venir, je ne l'avais pas vue pendant un moment, elle a repris ce soir, elle a fait une chauffe en se sentant très bien, elle a multiplié ses watts par deux. Ce n'était pas énorme, on est encore dans des prises en charge pathologiques, bien sûr. Mais les deux semaines où elle n'était pas là, ces deux semaines où elle a été active, elle est allée à l'école, elle a bougé, et puis on a pu objectiver finalement que sur la chauffe, ça s'était plutôt bien passé, qu'elle s'était sentie bien avec deux fois plus de puissance que ce qu'il y avait avant, mais c'est vraiment au cas par cas et c'est vraiment en dosant, en s'écoutant. Merci beaucoup Xavier. Je vais essayer de regrouper certaines questions. Donc Francis, est-ce que tu peux nous dire en fait, Madame Baudet nous pose la question de, des fois 30 minutes d'exercice peut être beaucoup pour une personne, est-ce que c'est possible de faire des demi-séances de physiothérapie? Tu avais un peu abordé le point en disant qu'on peut faire 5 répétitions plutôt que 10, mais est-ce qu'on peut aussi réduire le temps de la séance? Je pense, oui. Moi, ici, à MyPhysio, nous sommes… la séance dure une heure. C'est-à-dire qu'il y a moi avec vous, et c'est deux en groupe, mais il y a moi avec vous dans une heure. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, il faut, si quelqu'un est trop fatigué, on ne va pas utiliser l'heure, on va utiliser ce qu'on peut faire. Mais si vous êtes à ce point où vous êtes vraiment fatigué et que vous pouvez faire que 15 minutes, je pense qu'il faut vraiment voir si les exercices sont adaptés à vous. Parce que justement, il faut faire peut-être… Ici, on fait des fois des exercices respiratoires avant qu'on commence. Et puis, donc ça dure 10 minutes. Il y a un petit peu d'échauffement aussi. Si on n'a pas fait grand-chose pendant la séance, c'est probablement dans notre programme, c'est un moment où il faut gérer le quotidien. Mais ici, je pense que le physiothérapeute doit être beaucoup plus adapté. Donc, si ça prend plus de temps pour un patient… parce qu'ils ont besoin d'oxygène, il faut laisser le temps. Et puis, s'il doit partir plus tôt, il faut le faire, je pense. Il faut le laisser partir. Merci beaucoup. Et puis, une autre question aussi qui s'adresserait à toi. Madame Chantal Britt qui nous partage le fait qu'elle ressent qu'elle a perdu en fait une masse musculaire assez importante, comme s'il s'agissait d'une dystrophie musculaire finalement. Comment arrêter ce déclin de déconditionnement et de perte de masse musculaire malgré le fait qu'elle essaye de faire des exercices quand même? Oui, je pense que c'est de penser, il faut vraiment voir qu'est-ce qui se passe là, parce qu'il y a peut-être de red flags là. Mais moi, je pense que vous pouvez continuer à marcher, faites l'escalier, faites ce genre d'exercices. Mais s'il y a des dystrophies, est-ce que c'était parce que vous étiez vraiment sportive avant? Est-ce que vous étiez normal et puis maintenant, il y a plus de muscles qui partent? Est-ce que vous notez qu'il y a un essoufflement plus important? Est-ce que vous avez vu un médecin? Est-ce que vous avez eu des choses, des red flags qui étaient… qu'il n'y a pas de red flag. Et dans ce sens, il faut faire de musculation, mais il faut faire en fonction du jour, la fatigue du jour d'après. Et puis, il faut faire avec beaucoup plus de pauses. Et puis, donc, au lieu de faire, comme j'ai dit avant, normalement, on va faire entre 8 et 15 répétitions, peut-être faire moins de répétitions et faire plus de pauses. Pour savoir si ça réagit de la fatigue. Et puis, en fait, je voudrais aussi parler sur le fait que j'ai des patients qui ont une fatigue qui n'est pas liée physiquement. C'est-à-dire que
Nous, on peut faire des exercices et on peut même faire des exercices assez intenses, mais de choses qui sont cognitives ou sociales provoquent une fatigue beaucoup plus importante. Et puis, dans ce sens, on peut faire beaucoup plus de sport. Et donc, justement, moi, ce que j'explique, c'est qu'il faut vraiment détailler ce que vous faites dans votre journée. Il faut que ce soit vraiment complet. Il faut noter, est-ce que vous avez marché pendant 10 minutes? Est-ce que vous avez fait l'escalier? Est-ce que vous avez parlé avec quelqu'un pendant 30 minutes? Il faut vraiment faire des choses très précisément parce que, justement, grâce à journal de bord, on a trouvé des cas où on peut faire des choses très physiques. Et puis, ça aide des autres symptômes. Et puis, c'est grâce à le fait qu'on a vu, OK, quelqu'un a fait un télétravail une semaine et la semaine après, c'était au bureau. Et la semaine au bureau, c'était beaucoup plus fatigant, mais ils n'ont fait rien plus physiquement. Et dans ce sens, je pense qu'on peut faire encore plus des exercices si ce n'est pas au détriment de le jour après, si le quotidien après est bon. Donc, voilà. Merci beaucoup, Francis. C'est très juste. Et puis, on va pas, bien sûr, répondre au cas par cas, mais justement, ce que vous dites, en fait, connaissant Madame Chantal Britt, c'était une athlète, en fait, avant. Et donc, je pense cette perte de masse musculaire et aussi le fait que c'était quelqu'un de très actif avant. Et puis, on sait que les personnes qui étaient très actives vont ressentir aussi le plus de delta, malheureusement. Il faut aussi s'assurer qu'il y a les bons apports caloriques et énergétiques aussi pour aider dans cette reprise de la masse musculaire. Alors, donc nous avons 3 minutes avant de clore la séance. On va faire rapidement. Juste pour répondre aux personnes qui ont des questions sur les troubles neurologiques, nous allons consacrer un webinaire vraiment sur les troubles neurologiques ou sur ce qu'une personne a appelé de la physio pour le cerveau, où nous aurons aussi des spécialistes qui pourront répondre aux questions. Toutes les autres questions aussi, on va les reprendre et vous aurez les réponses sur le site, la plateforme de Raphaël. Et puis, n'hésitez pas aussi à utiliser le chatbot si vous avez des questions spécifiques. Beaucoup de questions et d'inquiétudes sur le besoin de partager et puis d'avoir des groupes de parole. Sachez que cela est en cours de construction ou de co-construction aussi avec l'association Long Covid Suisse, représentée par Madame Corinne Baudet à Genève. Et puis, nous essayons de mettre en place des groupes de parole au HUG ou avec les HUG. On pense aussi que pour les séances de physio où on ne peut pas faire finalement une heure complète ou même 30 minutes, des fois, associer cela à un enseignement thérapeutique peut être utile, c'est-à-dire utiliser un peu de ce temps pour essayer de mieux comprendre sa maladie, ses symptômes, comment les gérer, comment vivre malgré ces symptômes-là. Cela fait partie de l'adaptation et puis de la réadaptation. Une dernière question à Dr Perrin et professeur Clara Posfey et Barbe. À qui doivent s'adresser les parents d'enfants qui sont peut-être en incapacité d'aller à l'école ou des enfants qui ont besoin vraiment d'aide 24/24 où les parents n'arrivent plus eux-mêmes à aller au travail? Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils sur cela? Vas-y, Anne. Ah ouais. La question, c'est par rapport à comment on peut aider les parents, c'est ça? Oui, tout à fait. Ou à quel organisme ils doivent s'adresser? Ou comment les aider? Alors, oui. Alors, effectivement, s'il y a des enfants ou des adolescents qui ont besoin d'avoir les parents qui sont plus présents, c'est souvent problématique. Parce que nous, on peut faire des certificats pour les enfants, mais après, c'est un peu au bon vouloir de l'employeur d'accepter ou pas que les parents doivent être présents. Je pense qu'il faut discuter avec le pédiatre ou le médecin traitant de l'enfant pour aussi voir qu'est-ce qu'il y a comme solution quel autre membre du réseau peut aussi peut-être prendre le relais parfois, que ce soit pour pallier à l'école ou pour que quelqu'un d'autre puisse garder l'enfant. Enfin, il y a différentes solutions qui peuvent être mises en place pour que les parents puissent avoir des temps un peu de respiration ou qu'ils puissent aller au travail.
Après, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Ça dépend un peu vraiment, c'est au cas par cas et ça dépendra vraiment de chaque situation. Il y a des choses qui peuvent être mises en place avec aussi les soins à domicile pour apporter une aide, une garde si des enfants plus petits. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut discuter avec le médecin traitant, en fait, qui pourra peut-être aiguiller un petit peu plus. Merci beaucoup, Anne. On vous rappelle aussi donc que toutes les questions auront des réponses sur le site. Les FAQ ou les questions du dernier webinaire qui a eu lieu le 9 mars sont déjà sur le site et vous aurez le lien dans le chat. Puis le prochain webinaire aura lieu donc dans un mois et puis ça sera le 11 mai à 17h. Je donne donc le mot de la fin. Donc voilà le lien pour les FAQ. Et puis après, nous allons aussi vous poster le lien pour vous inscrire au prochain webinaire du 11 mai à 17h. Peut-être un tour de table et un mot de la fin pour chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, on commence avec Francis. Bonjour. Juste un dernier mot pour les participants. Oui, et les participants. Oui, je pense que moi, je suis optimiste. Je pense que il faut justement écouter à votre corps. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Moi, je pense que, voilà, justement, moi, j'ai trouvé une très bonne source qui est COVID Long Physio. C'est en anglais, mais en fait, c'est un physiothérapeute qui a eu COVID long, qui explique exactement ce qui se passe. Et puis, il y a des ressources super sur ce site. Je suis désolé, mais c'est en anglais. Et voilà, comme j'ai dit, je suis optimiste et je pense que... voilà, je suis optimiste. Merci beaucoup, Francis. Noémie et Amandine. Je pense que par rapport à toutes les questions qu'on a vues, je pense que, en tout cas en lien avec le travail, vos inquiétudes, elles sont légitimes au niveau santé, vous n'avez pas à vous justifier de vos difficultés, et vraiment le soutien essentiel pour expliquer à votre employeur, pour la reprise thérapeutique, c'est votre médecin qui va étayer toutes vos limitations fonctionnelles, et c'est vraiment une des ressources essentielles, et vous êtes légitime dans tout ça, et vraiment aussi à expliquer par le biais de votre médecin aux assureurs et aussi à votre employeur ce qui vous limite pour retourner au travail, ce qui est tout à fait juste. Donc voilà. Monsieur Xavier Martin. Oui, moi ce qui me frappe dans cette pathologie, c'est vrai qu'effectivement le côté... très personnel, en fait, les réactions, il n'y a pas de ligne où on sait que tu as quelqu'un qui réagit d'une manière, ça va se poursuivre dans telle ligne, etc. Ça peut partir, il faut vraiment individualiser la prise en charge, c'est pour ça que c'est difficile de donner des conseils qui sont généraux. La seule chose que je peux recommander, c'est l'activité physique, de commencer par de toutes petites doses. Il n'y a pas de honte à commencer par, je disais, 10 minutes de chauffe, mais des fois, quand ils arrivent trop fatigués, je leur fais « bon, fais 2 minutes, vois si après, avec une pause, tu arrives encore à faire 2 minutes ». Et puis, on essaie progressivement, même si on ne va pas jusqu'aux 10 minutes, mais on coupe comme ça. Puis, la fois d'après, on raccroche en faisant 4, une pause, 4, etc. Puis, on monte comme ça, vraiment petit à petit, en partant d'intensités qui sont parfois minimes, mais il y a quand même cette satisfaction d'être venu, d'avoir fait quelque chose, d'être en train de faire, d'accrocher, de voir. Alors, l'intérêt d'avoir fait un groupe, c'est que les jeunes se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls aussi. Qu'il y en a d'autres qui bataillent un peu. Des fois, ils se disent, tiens, celui-là, il bataille plus que moi, donc je m'en sors peut-être pas si mal, et puis ça aide un peu. C'est pas le but d'en voir qui vont moins bien, mais ma foi, ils se disent, ils relativisent un petit peu, et puis ils voient qu'ils vont de l'avant, et qu'ils sont un petit cran en avant, et ça peut aider, ça peut motiver aussi. Mais en tout cas, la grosse erreur, c'est de vouloir partir trop fort. Choisir ses appareils quand on est en salle de fitness, c'est vrai que fatigué, je ne les fais pas commencer debout, où il y a déjà le poids de corps.
Je préfère du coup soit le rameur, soit d'autres machines qu'on a, même pédaler sur des vélos assis où on pédale les jambes devant soi. C'est un peu plus simple. J'ai pu voir, ne serait-ce que sur les fréquences cardiaques, que certains pouvaient avoir 10 pulses d'écart pour un même exercice en ayant les jambes verticales ou les jambes horizontales. Donc ça change aussi un petit peu la charge de travail. Donc il faut vraiment commencer au plus simple. Et puis c'est une étape pour moi quand j'ai un jeune qui passe de machine où il était assis, les jambes devant majoritairement, voire relevé des fois sur des machines de muscu, à des exercices qui peuvent se passer debout, verticalement, sur un vélo droit classique par exemple. C'est pas la première machine avec laquelle je les fais commencer quand ils sont un peu faibles. Je sais que s'ils sont capables de faire du vélo droit, c'est qu'ils ont déjà passé une étape. Tout à fait, merci beaucoup, doctoresse Perrin. Je pense que tout ce que Xavier a dit, c'est vraiment très juste. Et en tout cas, là, je parle plutôt pour les ados, les jeunes. Ils arrivent très bien à apprendre à se connaître, à connaître leurs limites, à connaître aussi leurs fluctuations. Et puis, avec le temps, ils savent bien adapter en fait leurs activités en fonction et ça les aide. Et puis ce que je voudrais souligner aussi, c'est que ça prend du temps, c'est très progressif, mais que tout ce travail qu'ils font avec Xavier ou des fois avec des physios à l'extérieur, ça paye avec le temps, ils font des progrès et vraiment on voit des grands progrès. Alors oui, des fois sur des longues périodes, mais vraiment ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Merci beaucoup et le mot de la fin à professeur Clara Pospeba. C'est gentil. Je voulais tout d'abord vous inciter les parents à être des vrais soutiens de leurs enfants qui eux-mêmes sont souvent assez déboussolés de ce qui leur arrive et ne comprennent pas et perdent de l'espoir. Donc, vous-même, vous êtes inquiet pour vos enfants, mais vos enfants ont besoin de vous pour les soutenir. Nous, on essaye de transmettre nos connaissances au fur et à mesure à nos collègues. On a d'ailleurs fait un colloque hier, justement, docteur Perrin a fait quelque chose de brillant pour nos collègues de la ville en Suisse romande pour leur apprendre tout ce qu'on sait sur le domaine. Mais soyez patients aussi avec nous parce que nous aussi, on apprend avec vous sur cette maladie qui est nouvelle. Et je comprends votre frustration. Nous aussi, on est très frustrés. On continue de nous intéresser à ce qui se fait en recherche dans le monde et chez nous par rapport à ce domaine-là. Et je vous assure qu'on fait notre possible pour tout de suite le transmettre à vous et l'appliquer à vous pour vous faire guérir. Et peut-être le mot de la fin, c'est que nous, on est très optimistes sur le fait que vous allez guérir, vous allez vous sentir mieux. Il y a des enfants en particulier qui ont déjà guéri, qui n'ont plus de symptômes ou qui n'ont plus de suivi parce qu'ils vont bien. Donc, j'espère, alors je suis pédiatre, je ne suis pas dans la médecine de l'adulte, mais je crois qu'on peut être optimiste, qu'on va trouver des solutions, même dans cette maladie qui est quand même assez différente selon les personnes. Avec, on l'a vu rien que dans le chat, les questions qui sont posées, des symptômes très différents, mais on va tout mettre en œuvre pour essayer de vous aider à guérir. Merci beaucoup et à la prochaine.